l'humoriste franco-ivoirienne Claudia Takbo présente son nouveau spectacle à la Gaîté Montparnasse. Lucky est un mélange de drôlerie et d'énergie faisant résonner la part africaine de l'artiste, ses lubies de parisienne et son cœur américain. Sébastien Thème a rencontré une comédienne qui revendique joyeusement son métissage. Chez nous, on ne blaguait pas avec le ravitaillement, non. C'était la grande distribution, ravitaillement héliporté. C'est un chauffeur poids lourd qui livrait les courses. Ouais, c'est bien plus tard, adulte, que j'ai découvert qu'il existait des mini paquets de riz comme ça, tout mignons, de 250 grammes. Oui, parce que chez nous, c'est Kouchner qui livrait le riz. Claudia Takbo, c'est l'art du métissage de ses débuts sur les planches avec l'acteur et metteur en scène Stanislas Nordet au Jamel Comedy Club en passant par des collaborations avec Arthur ou Anne Roumanoff. Et ça débute par un poème de Léopold Sédar Senghor. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Elle a piqué notre curiosité, du coup on s'est demandé ce qu'il y avait dans sa tête et on commence avec ses têtes d'affiche. J'étais petite, j'ai regardé Jacqueline Maillan, j'ai vu Foxy Brown, donc c'était Pam Grier. J'ai vu Simone Signoret, j'ai vu là dernièrement Michelle Obama. C'est pas la référence de dire je vais copier ou elles ont transpiré de moi, mais c'est juste de dire ah, elles ont un parcours qui m'intéresse. J'ai fait beaucoup de classiques, on va faire du Sophocle. On va faire du Phèdre, on va faire de... Ah oui, oui, et après je suis lancée dans le contemporain, donc j'ai fait beaucoup de Novarina, qui est une autre langue. Et voilà, c'est une autre langue. J'ai eu la chance de travailler avec Nord et Stanislas, donc c'est encore le corps. Voilà. Et donc du coup, quand les gens viennent me voir, quand on me dit « Hey, il y a de la technique », je fais « Merci !» Sometimes I feel like a marvelous child. Sometimes I feel like a motherless child, always from home. Moi, je pensais pas que j'allais être un jour dans l'émission avec Claire Chazelle.